L'hiver approche et la crise migratoire continue. La Slovénie, désormais l'une des routes privilégiées des réfugiés, est dépassée par l'afflux des derniers jours. Près de 19 500 migrants sont entrés sur le territoire slovène depuis samedi, selon son gouvernement. Après la fermeture par la Hongrie de sa frontière avec la Croatie, Syriens, Irakiens et Afghans passent par familles entières par la Slovénie. L'armée, aux côtés de la police, est déployée pour canaliser les réfugiés vers des structures déjà débordées. Le président slovène Borut Pahor a été reçu à Bruxelles par les présidents du Conseil et de la Commission européenne. La Commission qui a rappelé que 4 millions d'euros de fonds d'urgence avaient été versés à la Slovénie. Les autorités du pays ont laissé entendre que si les arrivées restaient aussi nombreuses, la frontière slovène pourrait ne pas rester ouverte longtemps.